Bonjour à tous! Moitié du calendrier de l'Avent, premier giveaway pour cet Avent. Le deuxième, vous l'avez déjà vu. Celui-là, vous ne l'avez pas encore vu. Le deuxième sera dispo le 24 décembre. Du moins, sera déballé dans la vidéo du 24 décembre, en l'occurrence. Là, on est sur une petite carte son qu'on va déballer ensemble. C'est une carte son de la marque Allwin. All, A-W-A-L-L et Win, W-I-L. Je ne sais pas si c'est noté quelque part. Hop. Sûrement juste sur le... Non, il y a marqué Bundle K600, mais c'est tout. Bref, il s'agit d'une vraie carte son avec micro XLR capacitif pour streamer. Et ça va être le cadeau. On va la déballer vraiment sommairement, juste pour que vous regardiez un peu ce qu'il y a dans la boîte et qu'on voit ensemble ce qui est inclus et comment ça fonctionne. Je vais pas la brancher sur le Mac, parce que je suis sur un micro Elgato avec le Elgato... ça doit être Elgato Wave Sound ou un truc comme ça. Du coup, ça va être galère à reparamétrer sur le MacBook à côté. Donc, on va remettre un peu de lumière de ce côté. Donc on va déballer ça, et par contre, voilà, on ne le testera pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc on va déjà avoir la table son. Je vais, si ça vous va, je sors tout. Je sors tout et on regarde après, parce que je le sens gros comme une maison, que ça va être galère sinon. Vous voyez, il y a déjà des bouts de polystyrène partout. Il faudra que j'arrive à tout bien remettre pour vous l'envoyer. Hop là, voilà, on sort tout, allez, soyons fous, hop, hop, et hop, et on pousse ça là-bas, et on regarde ensemble, hop là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais y arriver. On a, je pense qu'ici, c'est un petit pied pour le micro qu'on va monter, hein. Hop, il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'on peut l'étendre? Je ne pense pas, non, on ne doit pas pouvoir l'étendre. Par contre, on peut se faire un petit pied pour le micro. Et attention, rien à voir avec le dinosaure. On a un pied qui est vraiment en métal, hein. Il est assez solide. On va avoir évidemment la cage pour le mettre. Alors tout ça, ça sera plus emballé, hein. Je suis désolé, je déballe. Mais on est sur une chaîne d'unboxing, hein, évidemment. Donc on déballe et puis voilà. Mais si vous voulez, ça sera pas, ça sera remis bien, bien comme il faut. Donc on peut brancher ça, ça peut vous faire un petit micro, hop, un petit support pour micro qui, ma foi, est vraiment sympathique, hein. Qui, ma foi, est plutôt sympathique, hein. Hop, vous voyez, vous avez votre petit pied pour le micro, tac, je trouve ça vraiment pas mal, hein. C'est assez qualitatif. On va essayer de mettre le micro dans la cage, alors ça, par contre, je vais les garder pour vous le remballer vraiment bien après. Hop. Voilà. Professional Recording Microphone, on est sur un micro XLR, du coup vous le voyez là-dessous. On est sur un micro XLR qui du coup viendra se mettre là-dedans. Alors, est-ce qu'on peut le serrer ou le desserrer? Je ne sais pas, c'est une excellente question à laquelle vous n'avez pas répondu, à laquelle vous n'avez pas, que vous n'avez pas posé. Et ça marche plutôt pas mal parce que quand on le serre, on peut presque lever tout. Donc voilà, avant de le faire tomber, il va falloir y aller. Ça vous permet donc d'avoir un petit micro sympa que vous pouvez gérer en hauteur et tout par rapport à ce que vous avez besoin. Je trouve que c'est pas mal, hein, franchement, c'est assez quali. Et je dis pas ça parce que c'est offert. Je dis pas ça parce qu'on vous l'offre, du moins. Vous avez le petit câble XLR des familles qui va avec, hein, évidemment. Qu'on va essayer de déballer. Hop. J'essaierai de remballer avec vous pendant que je ferai les infos. Donc on va... XLR vers XLR. Alors ici c'est un, on dirait que c'est un micro XLR, c'est un plus petit XLR. Je vais prononcer plusieurs fois ce mot là, je suis désolé, hein, mais c'est la connexion. Donc ici on peut le brancher, vous avez évidemment un sens pour les micros, mais ça, hop, comme il n'y a que trois fiches, c'est pas très compliqué à prendre en main, toc, et vous pouvez venir le brancher derrière votre petite hop, votre petite table de son. Alors, ce qui est inclus avec, un câble USB-C vers USB. Hop.
Parce que ici, donc du coup, vous avez la prise pour la lime et la prise pour aller au PC. Live 1, live 2. Mince. Je l'avais. Live 1, live 2, bougez pas. En plus, j'ai la fiche produit d'Amazon qui est juste là, puisque j'étais allé vérifier juste avant. Live 1, live 2, c'est si vous avez des téléphones mobiles, machin, tout ça. Vous pouvez les mettre dessus. Accompagné, c'est si vous avez un instrument. Vous pouvez le brancher en 3 pouces et demi. Earphone, du coup, c'est pour casque haut-parleur. Headset, c'est pour un casque d'écoute. Et condenseur mix, c'est pour des micros à condensation qui se brancheraient en 3 pouces et demi. Donc, c'est assez complet. Ce qu'on va cependant essayer de faire, c'est de l'allumer avec vous pour... donc, voilà, on a deux... Hop là, je suis un peu trop bas. On a deux prises jack to jack, 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, qui nous permettent de... qui vont nous permettre de brancher des trucs dessus. Alors, sur quoi vais-je pouvoir la brancher? Hop, ou alors je débranche le Stream Deck, ou je débranche le Wave XLR qui est ici, qui doit être branché sur du... Oui, on va faire ça. Hop, bougez pas. Je vais débrancher le Wave XLR. Hop, du moins l'alimentation du Wave XLR. Hop. Et on va brancher ceci. Si vous appuyez sur On, vous allez avoir votre table qui va s'allumer. Alors attendez, je vais essayer de tout éteindre. Hop, ou du moins de tout pousser pour que vous en soyez un petit peu plus dans le noir. Voilà, vous avez votre jolie table, votre jolie carte son, qui brille de toutes les couleurs, avec des pods, des potards où vous avez le gain du micro. De l'autre côté, vous allez avoir le gain sûrement des effets. En bas, vous allez avoir les médiums, les basses, les aigus. Voilà, vous allez avoir tous vos trucs. Par contre, au niveau du casque... est-ce qu'on peut passer Eminate, Mute, Bluetooth? Donc il y a aussi du Bluetooth, si vous voulez. Je vais vous la mettre un petit peu plus devant. Vous avez normalement 8 effets sonores, 8 modes d'audio, 16 effets sonores. Que je vous dise pas de bêtises. Hein. Attendez, je relance la truc parce que ça fait un petit moment qu'elle est là pour vous la faire gagner et on s'est dit que ça serait bien pour... Noël, toc toc toc, que je vous dise plus de bêtises. C'est le pire, c'est que je l'ai lu 3 minutes avant de venir. Hein. Je l'ai lu justement. Réduction de bruit importée, clé de réduction de bruit dynamique, mixeur audio en direct professionnel, 8 modes de scène et 16 effets audio spéciaux, batterie intégrée de 1800 mAh, donc si jamais je débranche, normalement, elle doit pouvoir tenir un petit peu, attention. Vous voyez, elle tient un petit peu. J'étais peut-être même pas obligé de brancher le Wave XLR parce que c'était peut-être direct. Micro à condensation 48 volts, alimentation fantôme, patati patata, 34 mm de membrane, etc. Voilà, franchement, alors on n'est pas sur une Go XLR. Hein. On est sur un truc qui est 3 fois moins cher qu'une Go XLR. Mais si vous voulez streamer ou choses comme ça, écoutez, ça a l'air d'être... Les avis sont plutôt bons, les avis sont assez positifs. On va l'éteindre, on va tout ranger. Hop. Toc, parce que si on veut hop, que vous puissiez la récupérer après, il faudrait peut-être qu'on commence à ranger un peu proprement ça. Toc. Je suis peut-être un peu trop chaud, un peu trop lumineux, un peu trop éclairé. De l'autre côté, j'ai bientôt plus de batterie, il faudrait, je pense, à le ranger. On va arranger ça ensemble. Voilà, on s'est dit que ça vous ferait peut-être plaisir de gagner un petit truc comme ça pour Noël, pour ceux qui veulent commencer le streaming, etc. Je dois vous avouer que les conditions pour remporter le truc, pour l'instant, j'y ai pas réfléchi. De toute façon, comme la fin de l'année sera en famille et avec des amis le 31, je pense que je clôturerai... soit je tirerai au sort pour celui-là le 27... Genre entre Noël et le Nouvel An. Et pour l'autre plutôt début d'année prochaine. Parce que vous avez un autre giveaway qui va tomber le 24, comme je vous disais.
Donc, à mon avis, on va faire ça. Laissez un commentaire pour si ça vous intéresse. Laissez un commentaire si la carte audio vous intéresse. Je tirerai entre Noël et Nouvel An. Même si je ne fais pas le tirage au sort le 27, tous les commentaires qui auront été mis après le 27 ne pourront pas gagner. Donc, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Essayez de remporter ça. Les lots seront envoyés, je vais pas vous mentir, hein, si je fais ça le 29 et puis que les amis arrivent le 29, je vous tiendrai informé de quand est-ce que ça partira. Par contre, c'est tirage au sort le 27 et quelques, à partir du 27 du moins. Donc les lots pourront partir un tout petit peu après, c'est possible. Donc si ça vous intéresse de streamer, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir plus de chances de participer, partagez cette vidéo à vos amis et puis dites-leur de commenter aussi. Les commentaires sont plutôt pas mal, hein. On est sur 4, je vais vous dire, en temps réel, donc c'est-à-dire le 12. Alors attendez, la souris du Mac, elle est où? Elle est là. Le 12 décembre, on était à 4,2. Sur 34 évaluations, donc bon, on est sur un truc qui n'est pas non plus, vous attendez pas, c'est pas un truc de pro, hein, je préfère vous prévenir, c'est pas, encore une fois, c'est pas une Go XLR à 300 ou à 250 ou 300 balles, on est sur quelque chose de plus, il n'y a pas un bouton mute là? Voilà, si. On est sur quelque chose d'un peu plus amateur, si on veut. C'est même pas si on veut, c'est on est sur quelque chose d'un peu plus amateur, mais bon, si vous voulez débuter, ça vous évite de vous acheter un micro et une table son. Une table de mixage. Directement. Donc voilà, je pense qu'on s'est dit que ça pouvait être un truc sympa. Ça pouvait vous faire plaisir. Donc dites-nous si ça vous intéresse. Dites-nous si ça vous intéresse. Mais alors pas du tout. Et que vous auriez préféré 100 balles et 1 mars. C'est possible, hein, on ne sait pas, peut-être que vous auriez préféré 100 balles et 1 mars, hein, il n'y a aucun problème. Ça venait ici. Ça devait venir par ici, peut-être. Je ne sais même plus où venait le truc. Bon, c'est pas grave. Hop. Ça, c'est sûr que ça venait ici. Tac. Hop. L'avantage, c'est que c'est facile de se repérer avec ça. Tac. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que ceux qui seront restés jusqu'à la fin et qui auront entendu le mot de la fin auront plus de chances de gagner parce que j'ai aucune idée de comment je peux mettre ça dans le tirage au sort de toute façon. Hop, et puis pour ceux qui seraient. Qui penseraient que c'est de l'arnaque, sachez qu'on a déjà fait gagner à l'époque où on faisait beaucoup plus d'unboxing que ça. On fait gagner déjà de temps en temps des petits trucs, donc n'hésitez pas à poser la question sur le Discord, etc. Il y a des personnes qui ont déjà gagné, qui se font un plaisir de vous valider ou pas ça. J'ai failli oublier un truc. Hop, les écouteurs qui étaient fournis avec. Hop, qu'on va mettre ici. Hein. Hop là. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, hein, c'est fait pour ça. Hop. Voilà, c'était la carte son Allwin K600. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, on va la laisser là. Plutôt là, en fait, mais je suis vraiment mal placé pour ouvrir les calendriers de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? On est donc le 12e jour, il est ici. J'ai mis mon dos en plein dedans. J'avais cassé celui au-dessus, j'espère pas casser celui-là. C'est ça qui est un peu chiant vraiment avec les pops, c'est que c'est pas. Attendez, je décale parce que je suis en train de tout péter. Hier on a eu le Lucario, c'était sympa, je sais pas ce qu'on va avoir aujourd'hui. J'ai le petit chien derrière qui est en train de dire que je fais du bruit. On a. Oui, et puis ça, c'est vrai que. Hop, en plus, il y a là le morceau de la truc devant. On a donc un Mentali, ou un Octali, Noctali, je crois. On a un Noctali, donc encore une évolution. Je ne sais pas si on les aura tous d'après les photos, non. Hop, donc voilà. Alors, petit rappel de ce que j'aime bien cette année, c'est que les pops sont sur une petite plateforme. Et c'est sympa. Non, on n'aura pas toutes les évolutions.
Ah, et puis bah, on vous mettra des pops de l'année dernière, parce qu'on en, je les ai encore, les pops de l'année dernière. Donc, dans le giveaway, avec, avec la super carte son, vous allez avoir quelques pops. Alors, ça sera peut-être du Disney, du Marvel ou du Mr. Jack, je sais pas. On verra. Bref, j'en glisserai quelques-uns. 12e jour du mois, on est ici. Hop, et on a sur une bougie violette. Alors, c'est la, à peu près la même qu'hier. Ça fait deux fois ou c'est deux fois la même couleur le lendemain. Et j'ai l'impression que c'est la même odeur parce que du coup, je l'avais, je l'ai allumé hier soir, bah, hier soir dans ma chambre et j'ai l'impression que ça sent pareil. Oui, je pense que ça sent pareil. Je suis un peu déçu aujourd'hui. Je suis un peu déçu. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'était votre future carte son. N'hésitez pas si ça vous fait plaisir. Tirage au sort, du coup, aux alentours du 27. Bah, clôture des commentaires le 27. Tirage au sort un peu après. Je vais pas vous mentir. Hein, le temps de revenir de chez les parents, les amis qui viennent, machin, tout ça. Et bah, on voit aux gagnants sûrement dans la foulée, quoi. Aux alentours entre le 27 et puis le 1er janvier, j'imagine, ou le 2 janvier, un truc comme ça. Voilà. Participez, c'est dans les commentaires, vous avez vu le déballage, tout s'est bien passé, elle se démarre, etc. Elle est bien rangée, tout est bien qui finit bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Partagez, likez, abonnez-vous, et puis à la prochaine. Bye bye YouTube, bisous bisous, ciao ciao.